dans le cadre de BEPF. Tous les stagiaires sont venus. À partir du moment où on a su qu'il y avait un entraînement de l'OL, on l'a demandé à Hubert. Hubert nous a gentiment proposé de venir et d'assister à l'entraînement. Je vous disais tout à l'heure que pour un jeune entraîneur et même pour un vieux comme moi, c'est toujours très intéressant de voir un entraînement parce qu'on a toujours des idées qui foisonnent et qui permettent de nous remettre en question sur certains domaines et puis de confirmer certaines convictions. Donc ça, c'est important. Il y a un échange avec le staff, il y a eu l'échange avec... On a vu Joël Batz, entraîneur des gardiens, on a vu Bruno Genesio, on a vu Hubert Fournier, bien sûr, on a vu le directeur général du club, puisque M. Ola n'était pas là. Mais on essaye de voir l'ensemble du club, les projets du club également, puisqu'ils nous ont montré le projet du grand stade qui est magnifique. Donc voilà, tout ça, c'est un ensemble et qui peut amener les jeunes stagiaires à, non seulement à réfléchir, mais aussi à trouver des solutions pour leurs problèmes. Se vivre 2-3 jours à l'intérieur d'un club, il faut reconnaître que les dirigeants lyonnais nous ont bien accueillis et on a pu avoir accès à tout, que ce soit la formation, que ce soit l'entraînement des pros comme ce matin, ou les diverses interventions d'Hubert, et de Bruno, de Michel et de Joël, qui sont venus chacun nous donner un peu de leur savoir.